Alors, on m'a pas encore parlé du variant en question, mais on s'inquiète beaucoup des jours à venir parce que tout le monde ressent cette angoisse de repartir vers des situations très compliquées. Vous savez, on a des réunions, enfin même des repas qui sont prévus pour les aînés, pour les fêtes de fin d'année. Je reçois 5 coups de fil par jour pour savoir si on le maintient, si on ne le maintient pas. Et qu'est-ce que vous dites ? Pour le moment, le préfet n'a pas pris la décision d'interdire, donc il n'y a aucune raison d'empêcher. On va prendre les précautions. On va peut-être empêcher les gens de danser. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut surtout faire attention à la population. Vous savez, on nous demande de porter le masque pour se protéger. Peut-être qu'à un moment, il va falloir décider que certaines frontières soient fermées. Je parle de celles d'Afrique australe, justement, où le variant semble se développer. Oui, enfin, disons qu'il faudra faire, nous, particulièrement attention sur nos frontières pour éviter toutes les personnes qui auront pu transiter par ces secteurs. On voit la carte. La société, elle n'est pas responsable de lui avoir mis un couteau dans la poche. Ce que je pense, celui qui risque, parce que vous parlez de son avenir, moi je pense à l'avenir du policier et de sa compagne. Vous avez raison d'insister. Parce que elle a aussi subi cette agression d'une certaine façon. Mais en attendant. Mais comment on fait pour qu'au bout de deux ans de prison, s'il fait deux, trois ans de prison, il ressort. Si vous voulez juste écouter quand même que vous parlez de l'avenir de ce jeune, moi je pense à l'avenir de ce policier qui lui a pris les coups de couteau, qui va déjà en subir les conséquences physiques pendant un certain temps, mais aussi des conséquences psychologiques pendant encore plus longtemps. Vous savez, un policier qui est agressé, ou quelqu'un qui est agressé comme ça, il en subit des conséquences pendant toute sa vie. Alors c'est bien de penser aux jeunes, mais moi je pense d'abord aux policiers. Le jeune, il avait toutes les chances. Dans Paris, il y a tout. Il y a des écoles, il y a des piscines. On peut aller faire du football, on peut aller faire de la peinture, on peut aller faire de la danse. Déjà, je ne sais pas si il est parisien, ce jeune. En tout cas, il y était. En tout cas, hier après-midi, il y était. Donc il y a tout. Et moi, je souhaiterais surtout qu'on soit surtout sévère à partir du moment où on porte un couteau et qu'on met un coup de couteau à quelqu'un. Il doit y avoir une sanction sévère. Heureusement, mais vous savez comme moi que des jeunes ressortent après plusieurs années de prison, comme celui qui a menacé avec un sabre des policiers et qui est ressorti dehors quelques jours après. C'est juste un scandale, tout simplement.